Bon, Hachem, on continue donc la Torah numéro 14, non, numéro 15, je vais goûter Moharan. Donc, bon, Hachem, on est à la haute haie. On va résumer rapidement tout ce qu'on a vu. Et comme ça, on va pouvoir, Bezat Hachem, attaquer directement le conte de Rabba Bar Hana, comment Rabbeinu HaKadosh, il va nous expliquer le conte de Rabba Bar Hana. Donc, on a vu Rabbeinu HaKadosh, il nous dit, on résume un petit peu la Torah numéro 14, numéro 15. Celui qui veut goûter la lumière du monde futur, la lumière des secrets de la Torah. La lumière de la Emouna Shlema, que tout est pour le bien. Et Rabbi Nathan, il a dit la lumière de Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, il s'appelle le Or HaGanouz, la lumière qui est cachée. C'est que les tzadikim, on a vu que c'est que les tzadikim, mais les tzadikim et Sadolam, mais les tzadikim, les élèves du tzadik, qui savent trouver dans la Torah Kedoshah la lumière du monde futur, la lumière qui permet de voir que tout est pour le bien. Celui qui veut goûter à cette lumière-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'on a dit, il doit faire remonter la crainte, la qualité de la crainte qui est en lui à sa source. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler la Yirat Shamaim, comment il dit Rabbeinu HaKadosh, avec la dimension du Mishpat, la dimension du jugement, c'est-à-dire, il dit Rabbi Nathan, avec qui tu écouter Moharan, de faire Itbo des doutes. Quand une personne, elle fait Itbo des doutes, celui qui veut goûter la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qu'il a cachée dans la Torah, dans la création, à l'intérieur de nous, dans notre Neshama, la lumière du Tzadik qui est cachée, la lumière de la Emouna, de voir que tout est pour le bien, de voir le bien partout, d'aimer chaque juif, de voir la neshama de chaque juif. C'est la lumière qui est cachée, la lumière d'Hachem qui est cachée partout, de voir l'intellect divin positif qui est dans chaque chose. Eh ben, il faut qu'il s'habitue à faire une des doutes. Rabbeinu HaKadosh, il a dit, Iyefcha d'arriver à ça sans faire une heure d'une des doutes tous les jours, où là-bas tu vas t'introspecter et tu vas faire monter la qualité de la crainte à sa source en te jugeant. Tu vas te juger toi-même. Quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Toutes les craintes qu'on a en bas, pourquoi c'est quoi faire remonter la qualité de la crainte à sa source, on l'a dit, c'est que la crainte, elle est à un niveau bas. On a peur de la corona, on a peur de la police, on a peur du contrôle fiscal, on a peur de ceci, de cela. On a peur d'Hachem. Pourquoi on a dit? Parce que nos fautes, comme on ne se juge pas en bas et qu'on fait des fautes, il y a un jugement en haut dans le ciel et le jugement dans le ciel qu'il y a sur nous, et ben Hachem, il nous envoie des souffrances, des choses qui nous font peur en bas pour qu'on se réveille à faire teshuva et à avoir peur que la Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on se juge tous les jours, on fait remonter notre crainte à sa source. C'est-à-dire quoi? En fait, la crainte, elle doit être que crainte à Kadosh Baruch Hu. Une personne qui craint à Kadosh Baruch Hu, qui se juge en bas tous les jours, il n'y a pas de jugement sur lui dans le ciel. C'est un cadeau extraordinaire et de doute que quand tu te juges en bas toi-même, plus personne ne peut te juger dans le ciel. Et donc, c'est-à-dire quoi? On ne t'envoie plus de souffrance sur terre pour te réveiller à avoir peur d'Hachem, parce que tu travailles tout seul ta Yirat Shamaim. Donc, c'est ça le secret de la Yirat Shamaim. Un des secrets de la Yirat Shamaim, c'est de faire remonter la Yirat Shamaim à sa source. Et à ce moment-là, tu n'as plus de peur à l'intérieur de toi, tu n'as plus de souffrance à l'intérieur de toi. Et Rabbeinu, il dit, ce n'est pas suffisant. On a vu qu'après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette crainte du ciel, elle soit attachée à du da'at. Il faut la remonter à la source de la Yirat Shamaim, que la source de la Yirat Shamaim, on avait vu dans les Sfirot, que le Man Tsafar, qui sont les lettres finales qui représentent toutes les forces de rigueur, donc toutes les formes de souffrance et d'obscurité de la vie d'un homme, eh ben, elles s'enracinent dans le da'at, elles proviennent du da'at. C'est quoi le da'at? C'est la conscience d'Hachem. La conscience que tout vient d'Hachem, qu'Hachem c'est notre Père, qu'il nous aime, que tout vient de l'amour d'Hachem, que tout vient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et que toutes les souffrances que l'on a en réalité, c'est que pour nous rattacher à Hachem, que pour nettoyer nos avérotes, que nous permettre de pouvoir recevoir encore plus de bracha d'Akadosh Baruch Hu, parce que pour nous inviter à faire teshuva. La crainte, ça doit être une crainte de l'amour d'Hachem, une crainte qui est imbibée de l'amour d'Hachem. Rabbeinu nous dit, c'est ça, la Itbo des doutes, elle te permet de te rappeler que quand tu fais Itbo des doutes, tu te juges, mais tu te juges en face de ton Père qui t'aime, qui est le roi, mais qui est ton Père qui t'aime. Et à ce moment-là, ce n'est plus une crainte bête et méchante, c'est une crainte que tu sais de qui tu as peur. Tu as peur d'Akadosh Baruch Hu, mais la conscience infinie de l'amour d'Hachem, que comment tu peux ne pas être à, tu peux ne pas faire tous les efforts possibles pour dire merci à Akadosh Baruch Hu de faire sa volonté et de t'écarter de ce qui fait de la peine à Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Tu sais qu'Hachem, par exemple, quand on a vu dans la parashat Pinchas, il haït la débauche. Alors tu vas te battre, tu vas faire toujours une bonne doute, tu vas prier sur ça. Je veux faire plaisir à mon père, je veux donner du plaisir à mon père, je veux pas faire ce que mon père il déteste, etc. Ça, c'est faire remonter la crainte elle-même à sa source. Et c'est quoi la source de la crainte? C'est le da'at. De savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tu crains Hachem et tu es rempli d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on va faire ça, il nous dit, Rabbeinu, qu'est-ce que ça va créer? Ça va nous donner la possibilité d'avoir accès, on avait dit, je me rappelle bien, on avait dit, ça va donner accès à la Torah chez Baniglé. De pouvoir avoir accès à la Torah dévoilée. Il y a deux dimensions dans la Torah, on a vu. Il y a la Torah dévoilée. Il y a la Torah cachée qui contient les secrets de la Torah, le Or HaGanouz, la lumière qui va se dévoiler à la fin des temps, la lumière que Moshe Rabbeinu il a commencé à recevoir, qui après c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a commencé à dévoiler les secrets de la Torah, le Harizal, Baal Shem Tov et Rabbeinu HaKadosh Rav Nachman de Breslev. Ken.
Cette lumière-là, c'est la lumière de la Torah cachée. Donc, il y a deux types de Torah. Il y a la Torah dévoilée, c'est la même Torah, mais la Torah dévoilée qu'on ne peut plus avoir accès facilement, et la Torah cachée, les secrets de la Torah. Et Rabbeinu HaKadosh nous donne le secret, comment arriver jusqu'au secret de la Torah qui vont se dévoiler à la fin des temps, et donc avoir en fait accès aussi à la lumière du Likutei Moharan. Parce que Rabbeinu HaKadosh, il a dit que quand Mashiach viendra, il fera toutes ses guerres avec le Likutei Moharan, et que c'est la dernière lumière de la lumière cachée de la Torah qui a permis d'être dévoilée dans le monde jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, si on veut avoir accès au Or Haganous, à la lumière cachée depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, depuis le Arizal, jusqu'à la lumière du Likutei Moharan, il faut faire Hitbo des doutes. Et c'est quoi le processus? Qu'est-ce que ça crée, la Hitbo des doutes? Je veux dire, Rabbeinu HaKadosh, la Hitbo des doutes, une fois que tu vas avoir de la conscience de la Kadosh Baruch Hu, de la Yirat Shamaim, tu vas avoir accès à la Torah simple, au sens simple de la Torah déjà, au sens de la Torah dévoilée. D'accord? Et quand tu vas avoir accès au sens de la Torah dévoilée, à force d'étudier la Torah, l'Eshem Shamaim, la Torah dévoilée, l'Eshem Shamaim, tu vas acquérir de l'humilité. Tu vas acquérir de l'humilité parce que la Torah ne s'acquiert que dans l'humilité. Rappelez-vous, on avait vu que la Torah ne peut s'acquérir que dans l'humilité, comme le Har Sinaï. On a reçu la Torah sur le Har Sinaï. Pourquoi sur le Har Sinaï? Parce que c'était la plus petite des montagnes. De la même manière, la Hitbo des doutes, quand tu vas te juger tous les jours et que tu vois tes manques, et tu dis merci à Hachem pour tous les bienfaits qu'il te fait, et tu vois tes manques, tu te juges sur tes imperfections tous les jours pour te corriger, ça te remplit d'humilité et ça te donne accès à la Torah qui ne peut s'acquérir que dans l'humilité. Déjà, le sens simple de la Torah qu'on a reçu sur le Har Sinaï avec Moshe Rabbeinu, eh ben, tu vas pouvoir, si tu es dans la dimension du Har Sinaï, tu vas pouvoir commencer à rentrer dans la Torah chez Baniglé. Et qu'est-ce que ça va créer, cette Torah chez Baniglé? Eh ben, elle va enraciner à l'intérieur de toi l'humilité et tu vas avoir accès à la prière. Tu vas avoir accès à la prière parce que la prière, c'est le témoignage de l'humilité. Quand tu pries, c'est que tu es humble. Quand tu te tournes en prière vers HaKadosh Baruch Hu, tu es en train de manifester que tu es conscient que sans Hachem, tu ne peux rien. Et ça, c'est la plus grande expression de l'humilité. Quand tu dis merci à HaKadosh Baruch Hu, que tu pries à HaKadosh Baruch Hu, que tu sens que sans Hachem, tu n'es rien, et bien ça témoigne que tu pries, que tu es humble. Plus une personne va investir sa vie dans la prière, plus ça montre qu'elle est dans l'humilité. Moins elle passe de temps à prier, plus c'est dur pour elle de prier la Amida, plus c'est dur pour elle de faire une heure d'une bonne doute ou plus d'une heure d'une bonne doute, plus ça veut dire qu'elle doit encore travailler son humilité. L'hitbo des doutes, elle te rend de l'humilité. Tu vas étudier la Torah avec humilité, tu vas avoir accès à la prière. Et pas n'importe quelle prière. La prière que tu vas avoir, que tu as vraiment accès à la prière, que Rabbi Nachman il a dit que tout mon union, c'est la prière. Rabbi Nachman il a dit « Kola inyan sheli zatfila ». Tout mon sujet, c'est la prière. Tout ce que je suis venu sur terre, c'est pour dévoiler la prière. Alors, on a dit, si on veut accéder à quoi? Au Raganouz. On veut accéder à la lumière cachée. La lumière cachée, c'est aussi la lumière de Rabbi Nachman Kadosh. Il faut être dans la prière. Et la prière, on parle de la prière, même si route nefesh. La prière où tu vas te donner toute ton âme dans la prière, toutes tes forces. Tu n'as pas le temps de penser à rien. Tu es dans la prière, tu sais qu'il n'y a que Hachem. Tu es là pour connaître Hachem. Il n'y a qu'Hachem qui peut t'aider. Il n'y a qu'Hachem qui peut te vitaliser. Il n'y a qu'Hachem qui peut te rendre heureux. Donc quand tu es dans la prière, tu oublies tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Hakadosh Baruch Hu. Il y a toi Hachem. Tu mets ton âme pour attacher à Hakadosh Baruch Hu. Et cette prière-là, même si route nefesh, où tu sors des limites. C'est-à-dire que ça y est, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien autour de toi, peu importe s'il y a du bruit dans la synagogue, il y a du bruit autour du kever. Tu n'es plus là, tu es avec Hachem, tu es sorti de tes limites, tu es sorti des limites matérielles, tu ne pries plus pour la parnassa, tu ne pries plus pour les choses limitées de ce monde-là. Tu pries pour connaître Hachem, pour faire le ratan Hachem, pour sentir Hachem. Tu te lis au Ensof d'Akadosh Baruch Hu, à l'infini d'Hachem. Ça te donne accès à quoi? À la Torah qui est infinie, qui est la Torah cachée, qui sont les secrets de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Arizal. La Torah de Rabbeinu HaKadosh, de Baal Shem Tov et de Rabbeinu HaKadosh, au secret de la Torah, ça te donne accès à la lumière cachée de voir que tout est pour le bien. Ça, c'est ça le processus. Et tout démarre de quoi? De la Hitbo des doutes. Tout démarre de la Hitbo des doutes. OK? Une fois qu'on a fait ça, maintenant, je pense qu'on peut retourner dans le conte de Rabba Bar Chana. Donc, on reprend dans les mots, les mots de Rabbeinu qui sont en gras. On explique, on les lit et après, on reprendra avec l'explication de Béat Hashem. Donc, maintenant, Rabbeinu HaKadosh, vous suivez avec moi, on a la haute. Et dans cette paragraphe-là, il va nous enseigner tout ce qu'il a dit dans un conte merveilleux de Rabba Bar Chana de la Gemara Kedosha. Et vous allez voir, c'est très curieux, parce que ce conte, on l'a déjà vu dans la Torah numéro 3, si je ne me trompe pas, où on parlait là-bas de savoir chanter, de faire attention d'écouter la musique d'un quelqu'un qui chante avec les Shem Shamaïm, qui chante pour la gloire de Kadosh Baruch Hu. Et bien là-bas, Rabbeinu, il avait déjà amené le conte de Rabba Bar Chana qu'il avait expliqué d'une autre manière. Et là, il va le réexpliquer encore d'une autre manière. Mais en fait, c'est complémentaire. Mais Zéchamar Rabba Bar Chana. Et voilà qu'est-ce qu'il a dit. En fait, tout ce qu'on a vu dans cette Torah là, c'est ce qu'il a dit Rabba Bar Chana. Les Didi Chazile, Hayakou Tade avec Yakrak de Agronia. Voilà que j'ai vu. J'ai vu on a vu une grenouille. On a vu une grenouille qui était énorme. Elle était grande comme la ville de Agronia. Akra de Agronia comme avait.
C'était quoi la grandeur de cette ville de Agronia que la grenouille a fait cette taille-là? Chitin Baté, 60 maisons. Une grenouille qui fait la taille d'une ville qui fait 60 maisons. Ouais, une grosse grenouille. Oubla, Kélen Chitin Baté, Atatanina, il y a un serpent qui est venu. Bla, il a avalé cette immense grenouille. Atapushkansa, il y a un corbeau femelle qui est venu. Oubla, il est Tanina. Et lui, il a avalé le serpent qui a avalé la grenouille qui fait une taille de 60 maisons. Ouvla l'étanina, ouslek, yetiv veilana. Et voilà que maintenant, ce corbeau femelle qui a avalé tout ça dans son ventre, il s'envole et il se pose sur la branche d'un arbre, il se pose sur un arbre. Tachaze kamanafish reila deilana. Vois combien elle est puissante, la force de cet arbre-là qui peut supporter ce corbeau. Amar Rav Papa Bar Shmuel, il a dit Rav Papa Bar Shmuel, il a avdé avec Atam, là, si je n'étais pas là-bas pour voir ça de mes propres yeux, j'aurais jamais cru à cette histoire. Ok ? Donc là, on a fini le conte de Rav Hana. Rajbam, commentateur de la Gemara, Rabbeinu, souvent il le cite à chaque fois qu'il nous cite Rav Hana, donc on le lit. Akrukta, il nous dit le Rajbam, c'est une grenouille. Qui est Akra d'Agronia, qui faisait la taille de Agronia, il nous dit le Rajbam, quand il était Agronia, c'est une grande ville. D'accord, c'est une grande ville. C'est quoi la taille de la ville d'Agronia? Chitin Baté, 60 maisons. Et là, le Rajbam, il nous dit quelque chose de chidouchik. Talmudak a amarlé. Les 60 maisons, en fait, font référence au Talmud. Au Talmud, à l'étude de la Gemara, au Talmud. Ata, Tanina, voilà qu'il y a un serpent qui est venu. Rabak a amarlé. Pushkansa. Pushkansa, c'est un corbeau femelle. C'est quoi Rabak a amarlé? On peut savoir ce qu'il veut dire ici. Rabak Amarle. Bon, effet. Pushkansa, donc un corbeau femelle. Donc, c'est un corbeau femelle, Beilana. Donc il s'est mis sur une branche d'un des arbres, ce corbeau. Lohimni, Lohimni, je n'aurais pas cru s'il ne l'avait pas vu. Maintenant, on rentre dans l'explication de Rabbeinu Akadosh. Donc le conte, on ne va pas le répéter. Il n'y a rien à répéter. On reprendra simplement l'explication de Rabbi Nachman. Akrukta. Peresh Rabbi Shmuel Tzfardea. Donc, Akrukta, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et le Rajbam, Rabbeinu Shmuel, il nous a dit c'est quoi en fait? Ça fait référence à une grenouille. Zeberinat Aliyat Ayir Al Eshorcha. Et alors là, Rabbeinu commence à nous donner les secrets qui sont cachés dans ce qu'il va dire Rabbi Bachana. La grenouille fait référence à faire remonter la crainte, la qualité de la crainte qui est à l'intérieur de nous, à sa source. Haynu, les Da'at. De remonter la crainte d'Hachem, mais avec de la conscience d'Hachem. On l'expliquera après, bien après, Bézat Hachem, Léat Léat, qui, Tsefardéa et Milan Moukévet, parce qu'en fait, le mot Tsefardéa, qui est une grenouille, c'est la composition de deux mots. Tsipor, Déa. Tsefardéa, c'est deux mots. Tsipor, l'oiseau, Déa, avec la conscience. Le Tsipor ou Bechinatira. Et en réalité, nous dira Ben Akadosh, sache que l'oiseau, qui est caché dans le mot Tsefardéa, ça fait référence en fait à la crainte. Beprinat, Eret, comme vous l'avez dit, Rabbeinu Akadosh, il va ramener un verset pour dire que la crainte et la terre sont liées, comme le verset dit, Eret Yer'a, la crainte, la terre, elle a craint. Donc tu vois que la terre, elle est liée à la crainte. Et donc ici, l'oiseau, il fait référence à la crainte qui est liée à la terre. Et quel rapport, tu vois, l'oiseau et la terre qui sont liés pour dire que l'oiseau, il est lié à la crainte? Moshe Katouv, Miknaf, Aret, Zemirot, Bechoul, et. C'est marqué Miknaf Ares, des extrémités de la terre. Zemirot, on a entendu des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, Mikenaf, c'est les coins. Mais Mikenaf, c'est aussi quoi? C'est les ailes. Donc ici, tu as les ailes de la terre. Donc tu as la dimension de l'oiseau qui est liée à la terre, qui est la terre qui est elle-même liée à la Yir'a. Donc l'oiseau, il est lié à la crainte, il représente la crainte. Et l'oiseau, et la crainte, où est-ce qu'elle est cachée en fait? Dans l'oiseau qui est caché dans le mot de Sephardéa. C'est par Déa, on a dit Tsipor Déa. D'accord ? Donc, Moshe Katouf, comme c'est marqué, Moshe Katouf, Mi Ele, comme c'est marqué, qui sont Mi Ele, qui sont ceux-là ? Otiot, Elohim. C'est en réalité les mêmes lettres Mi Ele que le mot Elohim. Or, Elohim, on sait que ça fait référence à la crainte du ciel. Ka'av Teufena, comme un anan, comme une nuée. Teufena, c'est la suite du verset de Mi-Ele, là-bas, Mi-Ele, Ka'av, Teufena, Afot. C'est comme une nuée, Teufena, Afot. Donc ça, en fait, c'est un verset qui nous fait référence
à l'oiseau, théophéna, c'est la dimension d'un off, hein, d'un oiseau. Et donc, tu vois ici que miele, c'est la crainte, et la crainte, elle est liée à théophéna, qui est la notion de l'oiseau. On va dire encore une fois que l'oiseau, il est lié à la crainte. Vedeach et Ishoresh aïr 1. Et maintenant, le deuxième mot qui est composé dans le mot de Sephardéa dans la grenouille, on a dit il y a Tsipor, il y a Dea. Tsipor, on a compris que c'est l'oiseau qui fait référence à la crainte. Et maintenant, on a également Dea qui fait référence en fait à la conscience d'Hachem qui est la racine de la crainte à laquelle on doit faire remonter la crainte. On va expliquer les amis après tranquillement. Vedamia, Leakra, Dea, Gronia. Et donc cet oiseau-là, il ressemblait, il avait la taille de la ville de Agronia. Pourquoi le Rav Hana, il a parlé d'une ville qui s'appelle Agronia? Qu'est-ce que ça vient faire référence, le nom de la ville? Leshon Kra Begaron. En réalité, ça fait référence dans le mot Agronia, il y a Kra Begaron. Garon, c'est les Akra, ça va être le mot Kra, et Agronia, ça va être le mot Garon. Garon, c'est la gorge. Chez Zébechina, Torah, chez Beniglé, comme chez Amour, Rabbi Zerna Nivracha, en réalité, ça fait référence à la voix qui sort de la gorge, Kra Agronia, Kra Begaron, la voix qui sort de la gorge, et ça, ça fait référence à l'étude de la Torah dévoilée au Talmud, à la Mishnah. D'où on sait ça? Moshe Amour, Rabbi Zerna Nivracha, comme ça, ils ont dit de m'avoir béni dans ma Maaseret Eruvin, page 54, les motiem, bapé, que les paroles de la Torah, il faut les sortir. Il faut, quand on étudie le Talmud, eh bien, il faut l'étudier à voix haute. C'est marqué dans Maaseret Eruvin qu'il faut sortir les paroles de Torah à voix haute, pas simplement les lire dans sa tête et sans remuer, sans les extérioriser. Non, il faut sortir les paroles de Torah avec sa bouche. Et donc ça, la dimension de Kra, Akra de Agronia, la ville de Agronia, en fait, c'est Kra Begaron, fais sortir par ta gorge, donc par tes cordes vocales, exprime ta Torah qui est le Talmud, la Torah dévoilée, dévoile-la par ta parole. Donc ça fait référence ici à la Torah. À la Torah dévoilée. Quelle idée à l'yatayir aniprenda zochina Torah shebaniglé? Parce que par le fait qu'on va faire monter la crainte à sa source, en faisant une bonne doute, eh ben on va la ramener au da'at, à la conscience d'Hachem, c'était le mot de Sephardéa, zochina Torah shebaniglé, on va pouvoir mériter qu'Hachem nous dévoile, nous dessine les yeux pour pouvoir comprendre la Torah dévoilée, le Talmud, la Mishnah, ve'agrad agronia kama ave. Et combien elle faisait la taille de la ville d'Agronia, il a dit Rav Bachana, shitin bate. 60 maisons, ken, zebechinat fila. Ça fait référence en réalité à la prière. Kikshanu korin la kadosh baruchu, bitarim shebasa vadam. Parce que lorsqu'on va appeler à kadosh baruchu avec des qualificatifs qui permettent d'entreapercevoir à kadosh baruchu pour un être de chair et de sang, parce que kadosh baruchu il a pas de nom en réalité. On donne des noms à kadosh baruchu et des adjectifs à kadosh baruchu pour nous permettre à nous de pouvoir percevoir kadosh baruchu. Il est disponible pour tout celui qui l'appelle vers lui. Cette dimension qu'Hachem, il se rend disponible alors que nous, on est des petites créatures insignifiantes. Akadosh Baruch Hu, il est là que dès qu'on l'appelle, il se tourne vers nous. C'est l'expression du chesed d'Akadosh Baruch Hu, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Ki im lo haya bechesed Hashem yitbarach, lo haya kedai likru l'chanot et Hashem yitbarach betarim mushvachim et tevot otiyot. Parce que si ce n'était pas la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, ça aurait été impossible que nous, on puisse appeler Akadosh Baruch Hu avec des lettres, avec des mots, avec des noms, Akadosh Baruch Hu avec des qualificatifs, des louanges, des mots, etc. Qui on est, nous, pour mettre des limites de description sur Akadosh Baruch Hu qui est infini? Aval, Zéakol, Chesed, Shem Yitbarach. Mais tout ça, c'est une grande bonté d'Akadosh Baruch Hu qui l'a fait qu'on puisse l'appeler, qu'on puisse se tourner vers lui, l'appeler, le parler et qu'il nous réponde. Et c'est ça le sens de Vezé, Shitin, Bate, Zé, Berinat, Chesed. En réalité, les 60 maisons dont on parle ici, que la ville de Agronia, que le Talmud, d'accord, il amène à cette dimension, quand on va étudier la Torah chez Beniglé, ça va nous amener à la dimension des 60 maisons. Parce que rappelez-vous que Rashbam, il avait dit que Shitin Baté, ça fait référence au Talmud. Pourquoi? Parce que ces 60 maisons-là, Zebechinat Chesed, ça fait référence à la qualité du Chesed, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Bechinat Avraham, parce que la Chesed, c'est la dimension de Avraham. Moi, je suis Katouf, Shishim Hema. Melachot, c'est marqué dans Shir HaShirim. Shishim Ema Melachot, 60 elles sont les Melachot, les travaux. Et Rashi là-bas sur Shir HaShirim nous dit Zeh Bechinat Avraham, c'est la dimension en réalité de Avraham. Sur Shishim Melachot, le Rashi HaKadosh, nous dit dans Shir HaShirim, ça fait référence à Avraham. Donc Avraham fait référence au Chesed, donc les 60 maisons font référence au Chesed d'Hachem. Uvate, et les maisons, parce qu'il y avait 60 maisons, Leshon Baté Malchut. Ça fait référence en réalité
aux maisons de la royauté. On verra après, on expliquera tous les commentaires au fur et à mesure. C'est la dimension de Shishim et Melachot. Melachot dans le champ de Malchut. Malchut, c'est la royauté de la Kadosh Baruch Hu. La royauté d'Hachem, elle se manifeste par la prière. Donc, ça fait référence en fait au chesed de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Encore long, pas l'explication. Donc, on va s'arrêter déjà ici. Ken. On va s'arrêter déjà ici, les amis. On va expliquer et on continuera après parce que c'est encore un petit peu long. Et merci Hachem. Donc, on reprend, Bezat Hachem, maintenant un petit peu l'explication du conte de Rabbi Nachman, le conte de Rabbi Bachana, avec l'explication du Rabbi Arouch et Yahye. Je me remets à la page. Voilà, on reprend. Donc, Akrukta, Peresh Rabbi Shmuel Tzvardea. Donc, cette ville de. Cette Akrukta, alors qu'on ne sait pas ce que ça veut dire dans la Gemara, nous dit le Rashbam, ça fait référence à une grenouille. Quel rapport avec notre Torah, la grenouille ? C'est la dimension de faire remonter la qualité de la crainte à sa source, c'est-à-dire à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il avait dit, nous, qu'en réalité, par le fait qu'on fait des doutes, qu'on se juge soi-même tous les jours, qu'on s'introspecte tous les jours, on est en train de montrer qu'on a peur d'Akadosh Baruch Hu, et ça va nous permettre, en faisant une doute, de remonter cette crainte à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que je dois avoir peur que d'Hachem, mais en même temps que Hachem, il m'aime. Hachem, il est que miséricordieux, que tout ce que Hachem me fait, c'est pour mon bien, il n'y a pas de souffrance sans faute, et les souffrances sont là que pour me nettoyer mes fautes et me rapprocher d'Hachem. Et tout ça, c'est caché dans le mot de Tsefardéa. Tout ça, c'est caché dans le mot de Tsefardéa, parce que Tsefardéa, qui Tsefardéa, on a dit le mot de Tsefardéa, c'est l'acrostiche de deux mots, il est composé de deux mots. Himilam Urkevet, c'est un mot composé, Tsipor et Dea. Donc ça, c'est marqué dans Tanel de Vediaou Rabat, qu'il y a deux, et c'est marqué dans les Kavanot de la Haggadah, parce que dans la Haggadah, on parle de la fameuse grenouille, la fameuse plaie des grenouilles. Eh bien, Tsipor Dea, c'est le mot qui. À la fois le mot Tsipor dans Tsefar Dea, l'oiseau, et Dea, la conscience, l'oiseau de la conscience. C'est quoi l'oiseau de la conscience ? Rabbi nous dit en fait, dans l'oiseau, c'est caché toute la notion de la crainte du ciel. Et cette crainte du ciel, il faut la ramener à la conscience d'Hachem. C'est ça, Tsefar Dea, de faire Ritbo des doutes, Bekitsour. Et Tsipor, alors Rabbi nous explique maintenant. Comment tu vois dans le mot oiseau qu'on parle maintenant ici de la crainte ? De Tsipor ou Prinatira, l'oiseau c'est la dimension de la crainte. Berinat Eretz, la dimension de la terre. Parce qu'on avait vu un verset, Rabbi Nachman avait ramené un verset, où là-bas tu vois que la terre et la crainte du ciel, elles sont liées. C'est marqué Eretz Yarea. La terre, elle a eu peur. Et encore une fois, la dimension de Hachem, il a créé la terre, il nous a créé nous sur terre, d'accord ? Il nous a détachés du ciel, il nous a détachés de lui-même, la Kadosh Baruch Hu, il nous a envoyés sur terre. Pour nous donner à nous la possibilité de le craindre à Kadosh Baruch Hu. Le but de la création, c'est que la terre, elle craigne à Kadosh Baruch Hu. Comme on dit, ils se mettront à Shamaïn, Betagel Haaretz. Ils se réjouiront les cieux, Betagel Haaretz, et la terre aussi, elle se réjouira en bas. Ils se mettront à Shamaïn, c'est Yudke. Ils se mettront, c'est Yud. À Shamaïn, ça commence par un He. Ils se mettront, ça commence par un Yud. À Shamaïn, ça commence par un He. D'accord ? Betagel Haaretz, ça commence par un Vav, Betagel, et Haaretz, ça commence par un He. C'est le Yudke Vavke. En fait, tout le travail, c'est l'Echem Yochud Kusha Yochud Shkinde, c'est de ramener l'union entre Akadosh Baruch Hu et Sashrina, les âmes du Ham Israël, que pas que dans le ciel, pas que dans le ciel, on soit heureux de voir que tout est pour le bien. Dans le ciel, les Malachim, il n'y a pas de tristesse là-haut. Oz Vechedva Bimkomo, il n'y a que de la joie. Il n'y a que de la joie dans Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Hatzvu, ça n'existe pas la tristesse chez Akadosh Baruch Hu. Là-haut, tout le monde voit que tout est pour le bien. Tout le monde voit qu'Hachem, il est juste et parfait et rempli que d'amour et de miséricorde. Donc dans le ciel, il se met Hashemayim, dans le ciel, tout le monde est heureux. Vetagel Haaretz. Par contre, notre travail à nous, c'est que dans la terre, sur terre, qu'on soit en train de jubiler de joie. Ça, c'est notre travail à nous, c'est le Vavke. On doit ramener le Vavke, le recoller au Yudke, de savoir qu'Hachem, c'est Yudke, Vavke, il est que miséricorde dans le ciel et sur la terre. C'est ça, Vetagel Haaretz. Ah, c'est que la terre, elle doit avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, mais une crainte remplie de Da'at, une crainte remplie de conscience d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est heureux. On est heureux et on a peur de sortir de ce bonheur d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est une crainte qui est remplie de conscience d'Akadosh Baruch Hu, Gilou, Birada. Soyez heureux dans la crainte. Oui, Ilan. On peut dire aussi que le Tsipor, c'est pris d'intérêt. Pourquoi ? Parce que quand Noah il cherchait la terre pleine, il a envoyé un oiseau. Fait, Nifla. Il a dit, on peut dire aussi que l'oiseau, c'est la dimension de la terre. C'est ce qu'il va dire à Benoît après, mais il ne donne pas la preuve de Ilan, mais ça se rejoint. Il a dit, on peut dire que l'oiseau, c'est la dimension de la crainte, dimension de la terre. Parce qu'on voit que Noah, quand il a voulu voir s'il y avait de la terre, l'eau qui était descendue suffisamment pour que la terre
comment on dit, la terre ferme, elle est réaccessible pour les hommes, parce que Noah était dans sa teva. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Des oiseaux. Il a envoyé un corbeau, et après, il a envoyé une colombe, il a envoyé des oiseaux pour voir s'il y avait de la terre ferme. Et on voit que on voit ici qu'au final, il y a un corbeau qui va se poser en plus sur sur une branche d'un arbre. Il a fait une autre vache. Brinat Eretz. Comme je suis Mknaf Aretz, Zemirot. Donc, revenu, il ramène encore. D'où tu vois encore que maintenant, ok, tu m'as dit que la terre, c'est la dimension de la crainte. Mais tu ne m'as pas dit encore que l'oiseau, il est lié à la crainte. Tu m'as dit que la terre, elle est liée à la dimension de la crainte. Quel rapport maintenant avec l'oiseau? Tu veux rattacher l'oiseau à la crainte? Alors, revenu, il est obligé maintenant de trouver un verset où tu vas voir que la terre, elle est liée à l'oiseau. Donc, si la terre, elle est liée à la crainte, et que la terre, elle est liée à l'oiseau, donc l'oiseau, elle est liée à la crainte. Donc, Fidida nous a donné pour Hachem une preuve, c'est que tu vois que Noir, qui est la dimension de Nachman, parce que Nachman, il contient Noir à l'intérieur de lui. Il y a le mot Noir qui est dans Nachman. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Noir? Il a envoyé l'oiseau sur la terre. Donc, tu vois que l'oiseau, il est lié à la terre. Mais Rabbi, il donne une autre preuve. Il dit, Miknaf, dans Yeshaya, c'est marqué, Miknaf a aren zemirot, Mikenaf ze hatipor. Mikenaf, c'est les coins de la terre. Mais les coins, c'est aussi les ailes. C'est aussi les ailes. Knaf, c'est un coin, c'est une aile. Donc les ailes font référence à l'oiseau. Miknaf a aretz, donc c'est-à-dire des oiseaux de la terre. Donc tu vois que l'oiseau, il est lié à la terre. Donc la terre, elle est liée à la crainte, comme on l'a expliqué. Donc l'oiseau. Donc l'oiseau, il est également lié à la crainte. Donc on a compris que l'oiseau, en fait, dans le mot tsefardéa, dans le mot akrukta, dans la gmara, c'est caché, tu comprends rien, marqué akrukta. Si le Rajbam ne dit pas que akrukta, c'est une tsefardéa, c'est une grenouille, tu ne sais pas de quoi on parle. Maintenant que tu sais que c'est une grenouille, tu ne comprends toujours pas de quoi on parle. Alors, c'est encore pire, c'est une grenouille. C'est quoi une grenouille? Une grenouille qui fait une taille de 60 maisons. La grenouille, en fait, c'est tsipordéa. Tsipor, maintenant, l'oiseau qui a de la conscience. C'est quoi l'oiseau? Il nous dit Rabbeinu. Regardez comment Rabbi Nachman est obligé de nous donner les secrets qui sont cachés, comment c'est crypté. L'oiseau, c'est quoi l'oiseau? L'oiseau, on a dit, en fait, c'est la crainte qui a rapport avec la crainte. La crainte, parce que la terre, elle fait référence à la crainte. L'oiseau, il est lié à la terre, donc l'oiseau, il est lié à la crainte. Ah, on te parle de crainte du ciel. Tifardea, tifordea, de faire remonter la crainte du ciel à la conscience d'Akadosh Baruch Hu en faisant une voie des doutes. Moshikatouf, Miknaf Aret Zemirot. Moshikatouf, Miele, et Rabbeinu continue. Rabbeinu, il ramène encore une preuve supplémentaire que l'oiseau, il est lié directement à la crainte du ciel. Moshikatouf, Miele, Kaouf, Kaav, Teoufena. Miele, qui sont ceux-là? Kaav, Teoufena. Qui sont comme une nuée, Teoufena. Comment on va traduire Teoufena qui vole, d'accord? C'est du mot off, Teoufena, qui sont en train de voler. Le Kayonim et la Roboteem est comme des comment on appelle ça, les Yonim, les colombes. Comme les colombes, elles Aroboteem qui vont dans leur Arobot, c'est les. Je crois que c'est leur. Si je ne me trompe pas, c'est leur cage, quoi, leur Aroboteem. En tout cas, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est que Rabbeinu dit Miele. Miele, le mot Miele dans ce verset-là. Donc, ce verset-là, on voit qu'il parle de voler, il parle de colombe, donc il parle bien d'oiseau. C'est clair, on parle de voler, d'oiseau, de colombe. Et il y a marqué Miele au début. Et Rabbeinu dit, tu sais que Miele, en fait, c'est connu que c'est les mêmes lettres que Otiot, que Elohim. Miele, c'est les mêmes lettres que Elohim. Tu prends même Yud, Aleph, Lamed, He, ça fait le mot Elohim. Or, on a déjà expliqué dans le début de la Torah que Elohim, ça fait référence à la crainte du ciel. Elohim, c'est le nom d'Hachem qui représente la rigueur. La rigueur, la conduite rigoureuse d'Akadosh Baruch Hu. Or, qu'est-ce qui éveille la crainte à l'intérieur de nous? C'est quand on est face à la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Quand une personne, il sent la rigueur d'Hachem qui plane sur lui, ça éveille la crainte dans le cœur. Donc, ce verset-là, encore une fois, il te parle de crainte. Miele, ça fait référence à la crainte d'Hachem. Et on parle d'oiseau. Donc, en fait, l'oiseau, dans Tsefardéa, dans la grenouille, il y a Tsipordéa. Tsipor, ça fait référence à la crainte du ciel. Kaav, Teoufena, comme une nuée. Elle va voler. Donc, on parle bien ici de la Yirat Shamaim. Le mot Miele, c'est Elohim, qui est lié à la notion de voler, à la notion de colombe. Donc, ça fait bien, l'oiseau fait bien référence à la crainte du ciel. Védéa, il faut comprendre, les amis, que là, on est en plein décryptage. Hein. C'est pas limpide parce que c'est du décryptage, c'est du décodage. Après, le décodage, Rabbeinu, il a déjà donné le sens limpide dans le début de la Torah. Maintenant, il nous montre comment décrypter ça de manière technique. Donc, c'est de la technique, là, ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un peu sec, mais c'est normal, c'est de la technique. On est en train de décrypter de la Gemara cachée. Comment voir, en fait, tous ces secrets-là qu'il a donné à Rabbi Nachman, que Rabbi Bachana avait caché dans la Gemara. Déa, donc on a dit Tsefar Déa, c'est la grenouille. Tsipor, on a compris, c'est la crainte. Déa, Tsipor Déa, Déa, c'est Shoresh Ayira. Déa, en fait, c'est la conscience.
C'est la racine de la crainte. Rappelez-vous qu'on a vu que la Gvoura, Chesed Gvoura, la Gvoura et la Chesed, ils sont en dessous de quoi? Du Da'at. Dans les Sfirot, tu as le Da'at, Chokhma Bina Da'at, Chesed Gvoura. Donc en fait, le Chesed et la Gvoura, ils s'imbibent du Da'at. Ils reçoivent du Da'at, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Rabbeinu nous dit, sache que la crainte du ciel, la vraie crainte du ciel, c'est la ramener à sa source, qui est la conscience d'Hachem, qu'Hachem, il n'est que bon, qu'il est que miséricordieux. Ça, c'est quand tu fais une voie des doutes. Quand tu fais une voie des doutes, tu rentres dans cette lumière cachée, que tu n'as plus de rasra dans ta vie, que tu vois que l'amour d'Hachem, tu n'as que la conscience de l'amour d'Hachem qui est au-dessus de toi. Et ça, c'est caché dans le mot Tzipor Dea. Tzipor Dea, Dea, Shishore Shayera. La conscience, c'est la racine de la crainte, comme on a vu. Mais Damien, elle est Akra de Agronia, et elle ressemblait, cette grenouille, à la ville de Agronia. Il faut comprendre quoi? C'est quoi la ville de Agronia? Akra de Agronia, les Shon, Grave et Garonne. C'est le langage en réalité d'appeler ou de faire sortir la voix de la gorge. D'accord? Quel rapport avec la voix de la gorge? Pourquoi je me dis que la grenouille Tzipor Dea, elle est liée à la voix de la gorge? Parce qu'en réalité, quand tu fais te remonter la crainte Tzipor, la crainte Dea à la conscience d'Hachem en faisant une voie des doutes, tu vas mériter de l'humilité qui va t'ouvrir les portes de quoi? Du Talmud. Les portes de pouvoir étudier la Gemara, les Shem Shamaïn, le Talmud, les Shem Shamaïn, parce qu'en réalité, Krav et Garon, chez Zébechinat Torah chez Beniglé, comme Shamo, Ramzirchan et Nivaracha, les Motiem Bappé. Krav et Garon, fais sortir la voix de ta gorge, ça fait référence à la Torah dévoilée, à la lumière qui est cachée dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Pshat de la Torah. Parce que nos Chachamim, ils ont dit qu'il faut sortir quand tu étudies la Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale, il faut qu'elle sorte par la bouche, il faut que tu fasses entendre à tes oreilles ce que tu étudies. Donc, si tu dois faire sortir par tes cordes vocales pour faire entendre à tes oreilles ce que tu étudies quand tu étudies le Talmud, donc à Grade et à Gronia, ça fait référence à Grave et Garonne, ça fait référence à la voix qui sort de la gorge. Donc, on fait bien référence ici au Talmud, à la lumière de la Torah dévoilée que tu vas accéder grâce à la Hidbodidou qui fait permettre de remonter la crainte à la source. Parce que remonter la crainte à la source fait naître en toi de l'humilité. Cette humilité, c'est ça la clé d'accès à la Torah. Il n'y a pas de Torah qui peut se dévoiler à toi si tu n'es pas dans l'humilité. Kalidel et Aliyat, Aliyat, les prinat d'Arat. C'est lorsqu'on va faire monter maintenant la crainte à la dimension de la conscience d'Hachem, Zochin la Torah chez Baniglé. On va mériter la Torah dévoilée. Rappelez-vous que la Torah dévoilée, on n'y a accès que par l'humilité. Et l'humilité, elle ne vient que quand tu te juges tous les jours. Et que tous les jours, tu vois combien Hachem il est tov, tu remontes ta crainte à sa source, c'est à Hachem. Que tu remercies Hachem tous les jours, tu te juges, est-ce que d'abord j'ai dit merci Hachem aujourd'hui sur ça, est-ce que je remercie Hachem beaucoup de chaque détail de ma vie, et comment je dois faire Shuvah, comment je dois me réparer, comment je dois m'améliorer pour encore plus honorer Hakadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, tu es dans l'humilité, à ce moment-là, la Torah, tu es dans la dimension du Harsinaï, et tu peux, si tu es comme le Harsinaï qui est la plus petite des montagnes, qui s'est effacée, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir recevoir la lumière de la Torah dévoilée déjà. Ve'akra de'agronia kamahave shitin bate. Et cette ville de Agronia, combien elle faisait de maisons, on a dit? Elle faisait la taille de 60 maisons. Donc, on est dans une grenouille qui fait la taille de 60 maisons comme la ville de Agronia. Donc, cette grenouille, c'est la crainte qu'on fait remonter à la source, qui est la conscience d'Hachem. Ça te permet d'avoir accès à Akra de Agronia, c'est la Torah chez BLP, la Torah dévoilée. Et combien elle faisait cette ville? 60 maisons. Si vous entendez, ça veut dire quoi? Ma godlo ve chashivuto. Quelle est la grandeur, quel est le niveau qu'un homme mérite lorsqu'il va étudier la Torah dévoilée, mais avec de l'humilité? Shitin Bate. La mesure de cette ville était de 60 maisons. La mesure, la grandeur de ton limoud, la darga que tu vas avoir par ton limoud, qui provient de ta Hidbo Dedout. On parle d'un limoud Torah qui n'est accessible que par la Hidbo Dedout. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas Cheshbon HaNefesh, il ne rentre même pas dans le début du dévoilement de la Torah orale. Et on comprend pourquoi Rabbeinu il avait dit avant qu'il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah, des Talmidei Chachamim, des gens qui sont érudits en Torah orale, et qui sont des Chassidim Yehudim, qui sont des démons juifs, parce qu'ils n'étudient pas dans l'humilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas Cheshbon HaNefesh. Pourquoi Korach est devenu Korach? Parce qu'il ne faisait pas Cheshbon HaNefesh. Étudier la Torah, mais sans s'introspecter, sans faire teshuva tous les jours, et se remettre en question véritablement tous les jours. Et donc, il n'avait pas l'humilité qui vient avec, et donc la Torah faisait grandir sa gaava. Son orgueil, c'est que celui qui fait Chesh Bola Nefesh, comprenez bien que c'est le début de la Torah, c'est d'abord Chesh Bola Nefesh. Chesh Bola Nefesh donne accès à la Torah dévoilée, de remonter la crainte à sa source, qui va te donner de l'humilité, qui va t'ouvrir les portes de la Torah dévoilée. Et c'est quoi cette grandeur-là? Shitin Bate. 60 maisons, elle faisait cette grenouille. Pourquoi? Zebechinat Tfila. Ça fait référence à la Tfila. La Torah,
tu veux savoir si ta Torah, tu étudies les Shem Shamaim véritablement, normalement, la Torah, elle doit t'amener à la Tfila. La Torah, elle doit t'amener à goûter au goût de la Tfila, à la puissance de la Tfila, que la Tfila, tu as accès que quand tu es dans l'humilité. Sans humilité, il n'y a pas de Tfila. Quelqu'un ne prie pas parce qu'il est orgueilleux. Quelqu'un ne prie pas parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin d'Hachem. Il pense qu'il peut s'en sortir tout seul, que c'est à lui de faire, que c'est lui qui peut faire, etc. etc. Chanou Corinne, la Kadosh Boko, Betiarim, chez le Bassar Vadam. Je fais une petite parenthèse, hein. Je n'ai pas les scans aujourd'hui de Kroka et Mouna, donc on continue d'écouter moi. Chanou Corinne, la Kadosh Boko, Betiarim, chez le Bassar Vadam. Comme maintenant, lorsque nous, pourquoi ? Quel rapport maintenant ici, les 60 maisons avec la prière ? Quel rapport entre 60 maisons et la prière ? Il me dit Rabbeinu. Kikshano, Corinne, la Kadosh Boko, Betiarim, chez le Bassar Vadam. Parce que lorsque nous, on va appeler maintenant, à Kadosh Baruch Hu avec des qualificatifs d'un être de chair et de sang. Tu parles à Hachem comme tu parles à un homme. Tu vas mettre des noms. Tu appelles Hachem à Gadol, à Gibor, Vanora, comme si que tu peux mettre des qualificatifs sur un Kadosh Baruch Hu. Ça, en réalité, quand tu l'appelles Hachem comme ça, tu dis Hachem, toi qui es grand, qui es bon, qui es miséricordieux, Hachem te répond. Hachem, il se met à t'écouter, il se met avec toi, il t'écoute. À tout celui qui l'appelle à Kadosh Baruch Hu, il écoute. Zechesed Hachem Idbara. Ça, c'est une bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Qui imloaya bechaz de Hashem itbarach loaya ketalikru echant Hashem itbarach b'tarim mujvachem etevad otiot. Si Hashem n'était pas rempli de bonté et de miséricorde, ça serait impossible de se tourner vers Hakadosh Baruch Hu et de l'appeler, d'oser appeler Hashem avec des noms réducteurs, parce que chaque nom que tu as donné à Hashem, c'est une réduction d'Hakadosh Baruch Hu. Hashem, il est infini. Tu lui mets une étiquette, tu lui dis Hashem, t'es comme ça, t'es bon, t'es grand, t'es puissant, mais ça c'est t'as réduit Hashem, t'as limité Hakadosh Baruch Hu dans une étiquette. Hakadosh Baruch Hu, il est ensof. Hashem, il est infini. Tu peux pas le percevoir. Tu n'as pas de perception pour pouvoir qualifier Kadosh Baruch Hu de ça ou de ça. Donc Hachem, il a fait un reset de s'habiller dans des noms, dans des appellations, dans des choses que nous, on peut entendre, qu'on peut concevoir en tant qu'homme pour pouvoir avoir un lien avec lui. Il a fait. C'est vrai qu'on est à la Mida, on a pas droit de changer, on a pas droit de rajouter d'autres qualificatifs. On a parole dans la Hamida de rajouter d'autres qualificatifs que ce que Moshe Rabbeinu a appelé à Kadosh Baruch Hu, tel que c'est marqué dans la Hamida. Parce que c'est déjà ça, c'est une dimension que Moshe Rabbeinu a pu réduire Kadosh Baruch Hu à ce qui est le minimum acceptable pour nous. Et nous, on ne peut pas s'amuser à mettre d'autres qualificatifs sur Kadosh Baruch Hu. Et même quand on fait une bodhisattva et qu'on parle à Kadosh Baruch Hu, on parle à Hashem comme un être de chair et de sang. Et même ça, c'est un chesed à Kadosh Baruch Hu énorme. Comme à ton meilleur ami. D'accord ? Comme quelqu'un qui habite dans ta maison, on avait vu que la dimension de la prière de l'Aïd Bodedout, c'est la dimension de Yaakov Avinu, qui a fait que Yaakov, il a appelé la maison prière, la prière, il l'a appelé maison, la maison d'Hachem. La prière, c'est la Beta Knesset, le Beta Migdash, c'est la maison d'Hachem. Tu parles à Hachem comme à quelqu'un de ta maison, c'est un recette d'Hachem de fou. C'est une bonté de la Kadosh Baruch Hu de fou. D'accord ? Donc Rabbeinu, il explique que de la bonté de la miséricorde infinie de la Kadosh Baruch Hu, il a accepté Hachem qu'on l'appelle donc par des noms, par des appellations. Parce que d'après la vérité, en réalité, chaque appellation, chaque surnom qu'on va donner à Kadosh Baruch Hu, chaque titre qu'on va donner à Kadosh Baruch Hu, ça diminue la grandeur infinie de Kadosh Baruch Hu, comme on dit dans la Tfila. Mi Yidmelach, Mi Yishvelach, c'est dans le Nosar Sfart, ça. Dans le Nosar Sfart, Chassidi, dans le Nishmat Kol Chai, là-bas on dit Mi Yidmelach ou Mi Yishvelach. Qui c'est qui peut, Hachem, te comparer à quelque chose ? Qui peut te mettre sur un pied de comparaison avec quelque chose de Kadosh Baruch Hu ? Mi Arochlar, Hachem, il peut te donner une valeur à Kadosh Baruch Hu. T'es inestimable à Kadosh Baruch Hu, t'es infini à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Le Chol Melech Vassar Vadam, Lo Yam Askim, Shilu Shuro Odo, Bishvachim, Shilu Moridim, Berko. Et tu connais pas, ça n'existe pas un roi de chair et de sang qui accepterait qu'on le diminue de ce qu'il est véritablement. Mais Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, sa bonté, il se réduit. C'est ça ce qu'on dit, Le Chol Makom, Shita Motse, Gdulato, Shama Ta Motse, Metanuto. Partout où tu trouves la grandeur d'Hachem, là-bas tu trouves l'humilité d'Hachem. La grandeur d'Hachem, c'est son humilité. C'est qu'il est capable de se rapetisser pour que tu puisses l'entreapercevoir. Ça, c'est qu'une bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne le sroud de se tourner vers lui en pouvant l'appeler avec des noms et des qualificatifs. Et quel rapport maintenant tout ça avec les 60 maisons que tu vas avoir accès à ça par l'étude de la Torah chez Baniglé, qui provient de l'Aïd Bodedout. Où tu vois dans la prière les 60 maisons qui font référence au chesed d'Hachem qu'on est en train de voir ici, qui se manifeste dans la prière, que la prière, c'est un chesed d'Hachem qui se rapetissait à Hachem, qu'il peut te répondre, il se met à ton niveau, à toi, Kadosh Baruch Hu. Shitin Bate, Zebechinat Chesed, Brinat Avraham, Moshe Katouf, Shishim Melachot Ema, Zebechinat Avraham, ou Bate, Leshon Bate Malchut. Il dit, Rabbeinu, en réalité, les 60 maisons ici que nous parle Rabbi Bachana,
Ça fait référence, on va expliquer, au chesed d'Hachem, qui est le symbole de la prière, que la prière, c'est un chesed d'Hachem. Prinat Abraham, que le chesed, c'est Abraham qui a eu le mérite de dévoiler la qualité du chesed d'Hachem, celui qui a dévoilé la bonté d'Hachem sur terre. C'est Abraham, par sa messirut nefesh, qu'il a fait Abraham. Moshe Katouv, comme c'est marqué. Maintenant, quel rapport Abraham, chesed et les 60 maisons? Rabbi commence à expliquer avec Shir HaShirim. C'est marqué dans le chapitre 6 de Shir HaShirim. Shishim Hema Melachot. Il y a 60 Melachot. Les Melachot, les travaux, ils sont au nom de 60. Et Rashi dit là-bas, s'il n'y avait pas Rashi, on ne peut pas comprendre ça. Il décrypte Shir HaShirim. Il nous dit Zebechinat Abraham, Shishim Hema Melachot. Ça fait référence en réalité à Abraham. Ou Baté, Shishim Baté, il y a 60 maisons. Donc Shishim, ça fait référence à Abraham, fait référence au Chesed, fait référence à la prière, qui est la dimension du Chesed Hachem. Et Baté, la Shon, Baté Malchut. C'est en réalité les maisons de la royauté. On va lire le Pérouche du Rhin pour bien comprendre de quoi on parle. Ka Malchut Nikra Bait. En réalité, la royauté, Shishim Ema Melachot. On peut même dire Shishim Ema Melachot, on peut dire Shishim Ema Malchut. D'accord ou pas? Shishim Ema Melachot, dans Shir HaShirim, c'est marqué, il y a 60 Melachot, et tu peux dire aussi, il y a 60 Malchut. C'est les mêmes lettres. Melachot, Malchut. Il y a un Aleph pour ajouter. Non, Malchut, tu peux dire aussi sans Aleph. Mais là, dans Shir HaShirim, c'est marqué sans Aleph, a priori. En tout cas, même si c'est un Aleph, tu peux dire par un jeu de mots que Melachot et Malchut, c'est autre. Donc, c'est qu'il y a 60 en réalité Malchut, 60 Baté Malchut. Or, on sait que la Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle s'appelle Baït. Déjà, comment on appelle le Beth Amikdash, l'endroit de la royauté d'Hachem, on appelle le Beth Amikdash. Comment Yaakov il a appelé le Beth Amikdash? Il a appelé Baït, Kim Beth Elohim. Je sais que cet endroit-là où il a fait le rêve de l'échelle, l'endroit du Beth Amikdash, il a dit, là où toutes les prières elles montent, les anges qui montent et qui descendent, hein, c'est les prières qui montent avec les réponses des prières qui redescendent. Il a dit, Manora Makomazé, comment il est redoutable cet endroit-là, ce n'est pas un autre endroit, si ce n'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit bien ici qu'on est en train de parler de quoi? Du chesed d'Hachem qui représente la prière, qui représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu, que la prière, et la prière elle est de la dimension de la maison, et la maison est de la dimension de la royauté. C'est ça, Shema Melachot. Regarde le Pérouche du Rav, comme le Rav l'explique dans les mots, Kamalchut Nikrat Bait, parce qu'en réalité, la royauté d'Hachem, elle est appelée maison. Hachem Chose Kamalchut, la dimension de la puissance de la royauté. Shoukmo Bait a quand même tamid comme une maison qui va être stable et constamment, une fois qu'elle est construite, qu'elle se maintient. Donc moi, je suis Katou. D'ailleurs, on voit que la royauté d'Hachem, la royauté d'Israël, la royauté de Kadosh Baruch Hu, elle ne s'est pas maintenue par le fait que la maison d'Hachem, elle a été détruite. Normalement, la maison, c'est une stabilité. Hachem, il a voulu donner une stabilité à sa royauté, donner de construire le Beth Amikdash. Mais comme on n'était pas digne de pouvoir être les témoins de la royauté d'Hachem, pour l'instant, à cause de notre haine gratuite, ben, la royauté d'Hachem, qui est symbolisée par la maison, elle a été détruite. Donc tu vois que, en tout cas, Hachem, il veut que sa royauté, elle se manifeste par une maison. Le Beth Amikdash, la maison de la prière. Et que nous, par Chesed Hachem, il nous a fait que la prière, il a descendu à un niveau de la maison où nous, on peut voir la royauté d'Hachem en parlant à Kadosh Baruch Hu comme des gens de notre maison. Moi, j'ai Kato, Bapasso, Kalmerian, Biocheved, Vayas, Laem, Batim. Où tu vois que la royauté, elle est liée à la maison, encore, nous dit le Rav Arouche, nous dit Vayas, Laem, Batim. Pour Myriam et Yocheved, par rapport au sacrifice, à la Messerou de Népèche qu'elles ont fait de sauver les enfants d'Israël auprès de leur vie, que Pharaon, il avait dit, vous devez tuer tous les premiers-nés juifs, et eux, elles étaient prêtes à les protéger. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont eu comme récompense? C'est marqué qu'Hachem, il a dit, bah, Yahas, la même bâtiment, il leur a fait des maisons. Or, c'est marqué dans la Gemara, de quelle maison on parle que Kadosh Baruch Hu, il leur a offert à Myriam et Yocheved? Chakavana les Baté Malchut, il leur a offert les maisons de la royauté, que de elles vont descendre la royauté du Ham Israël. Donc, tu vois que la maison, elle fait référence à la royauté. Donc la royauté s'appelle maison. Sheyet Fila, que la maison c'est la prière. Donc la royauté c'est la maison, c'est la prière. Sheba Anarnu Anu Mamlichim et Hashem Itbarach Aleinu. Parce que pourquoi la prière fait référence à la royauté? Parce que là, c'est par la prière que tu fais régner Kadosh Baruch Hu sur toi. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu te rends dépendant du roi des rois. Que si le roi ne veut pas te donner, si le roi ne t'offre pas, eh ben tu ne peux rien faire. Donc la prière, c'est l'expression la plus grande de la royauté de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça que David Amelech, il a dit, va nu tefila, je suis que prière, parce que David, il représente la royauté. David, il a donné un héritage. C'est le Tehilim. Tehilim, c'est un livre de prière, parce que c'est comme ça qu'on trouve la royauté de la Kadosh Baruch Hu, c'est dans la prière, dans la louange à Hachem, dans les remerciements à Hachem et dans la prière. Donc on comprend bien que maintenant,
La royauté, elle se traduit par une image d'une maison qui vient faire référence en fait à la prière. C'est ça qui est marqué dans le Shir HaShirim. Shishim Hema Melachot. C'est ça qui est marqué. Mais Zohar Pasuk Shishim Hema Melachot. 60, elles sont les Melachot. En réalité, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a fait un chesed infini qu'on puisse prier, parce qu'on a dit que Shishim, ça fait référence au chesed de Abraham. Il nous a fait un chesed infini à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse l'appeler et prier à Kadosh Baruch Hu par des qualificatifs de royauté. C'est un chesed à Kadosh Baruch Hu et c'est ça qui était marqué en réalité dans le conte de Rava Bachana. Que cette grenouille-là, Tzipor Dea, cette grenouille-là, c'est Tzipor Dea, c'est un oiseau qui est rempli de conscience. L'oiseau, c'est la crainte du ciel, de faire remonter la crainte du ciel à sa source, à la conscience d'Hachem grâce à l'Aïd Bodedout, de commencer à faire monter la crainte à la source. Cet oiseau-là, il faisait quoi? Il était comme la ville de Agronia. Quand tu fais ce travail-là de faire monter la crainte à la source, dans la dimension de la ville de Kra de Agronia, c'est-à-dire de faire sortir la voix de la gorge, c'est le Talmud Babli, le Mishnayot, la Torah orale qui doit sortir de notre gorge, qu'on doit exprimer par notre bouche. Donc ça donne accès à la Torah orale, cette Torah orale qui va te donner accès à la prière, qui est l'expression du Chesed Hashem, de la Rotla Kadosh Baruch Hu, et on verra demain la suite de Hashem dans le conte, comment on arrive par la prière à pouvoir, merci Hashem, accéder au secret de la Torah. Quelqu'un qui va commencer maintenant après même Sirut Nefesh, en mettant toute son âme dans la prière, en faisant don de soi dans la prière, que pour Kadosh Baruch Hu, et bien on va voir que ça va nous donner accès au secret de la Torah cachée, qui elle est en dehors de l'espace et du temps, en dehors des limites, et qui va nous permettre de pouvoir voir la lumière cachée de la Torah, la lumière cachée de la Emouna, la lumière que tout est pour le bien, et la lumière de Rabbeinu HaKadosh, Chazak, Benitrazek.